Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et je voulais commencer cette vidéo par vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2023. J'espère que cette nouvelle année vous apportera plein de bonnes choses. Et moi, en ce qui me concerne, c'est la toute première vidéo de 2023. Et pour commencer 2023 de la meilleure des manières, je voulais te parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes dans le monde du catch, de la musculation, mais aussi dans la vie de manière générale. Et ce sujet, c'est de comment affronter le regard des autres. Si tu te retrouves aujourd'hui dans cette situation et que c'est quelque chose qui t'affecte, je vais te partager mon point de vue et te partager aussi quelques conseils sur ce sujet et peut-être que ça t'aidera à passer par-dessus. En tout cas, c'est mon but en te faisant cette vidéo. Et bien souvent, la raison pour laquelle on se préoccupe de savoir qu'est-ce que les gens pensent de nous, c'est parce qu'on a envie d'être accepté parmi les autres. Ça fait partie du comportement humain. Et de nos jours, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent d'être jugé ou être rabaissé par les autres. Et évidemment, quand je te parle du regard des gens, généralement, c'est quelque chose de négatif. Ça, tu t'en doutes bien, j'imagine. Et ça peut se regrouper par plusieurs styles d'attitude ou de comportement. Ça peut être des personnes mal intentionnées, des personnes qui parlent dans ton dos ou des personnes qui veulent te rabaisser, ce genre de choses, tu vois. Et moi aussi, personnellement, il fut un temps où c'était quelque chose qui m'a impacté et qui m'empêchait de réaliser des choses et d'avancer parce que j'étais vraiment trop préoccupé de savoir ce que les gens pouvaient penser de moi. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir mon esprit préoccupé par ce genre de choses. Donc j'ai pris 5 minutes de mon temps et je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit à moi-même, au final, qu'est-ce que ça peut foutre ce que les gens pensent de moi? En quoi ces personnes-là vont avoir un impact positif dans ma vie? Parce qu'il faut que tu te dises une chose, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu veux entreprendre, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te mettre des bâtons dans les roues. Et moi maintenant, ce que je fais avec ce genre de personnes, ou quand je vois qu'il y a une personne qui n'apporte rien de positif dans ma vie, ou quelqu'un de mal intentionné, je les balaye tout simplement de ma vie. J'arrête de perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Et tu t'es probablement déjà retrouvé dans une situation où tu t'es aperçu que certaines personnes qui étaient censées être tes amis t'ont trahi. Ça, je pense que tout le monde l'a au moins vécu une fois. Moi, je pense personnellement que la meilleure façon d'agir face à une telle situation, face à des amis qui te trahissent, c'est de tout simplement supprimer ces personnes de ta vie et d'avancer. N'essaye même pas d'avoir une discussion ou des explications. Supprime-les, bloque-les, fais ce que tu veux parce que les vrais amis qui te veulent du bien ne te font pas ce genre de choses. Ça peut paraître un peu radical comme méthode, mais il vaut mieux avoir 5 amis sur qui tu peux compter et qui vont t'apporter des choses positives dans la vie et qui vont te pousser vers le haut, plutôt que 50 amis sur qui tu vas douter et te questionner sur la sincérité de la relation. Fais aussi un travail sur toi-même, ça va aussi t'aider à faire un tri sur les personnes qui vont intervenir dans ta vie. Établis ce que tu veux vraiment faire dans ta vie et fixe-toi des objectifs pour pouvoir y parvenir. Entoure-toi des bonnes personnes qui ont le même état d'esprit que toi et qui veulent aller dans la même direction. Et comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, quelles que soient les choses que tu vas vouloir entreprendre, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour essayer de t'en empêcher. Garde bien ça en tête. Et j'ai justement un parfait exemple avec mon cas personnel parce que pendant un moment, je me posais la question de savoir si je devais créer ma chaîne YouTube ou pas. Parce que j'avais toujours cette petite crainte d'être préoccupé par la critique des gens. Mais finalement, j'ai quand même décidé de créer ma chaîne YouTube parce qu'il y avait des choses que j'avais envie de partager sur cette plateforme, que ce soit par rapport au catch, à la muscu, mon mode de vie en tant que catcheur. Et si à ce moment-là, je n'avais pas pris la décision de créer ma chaîne YouTube, j'en serais pas là aujourd'hui. Certes, je fais pas des millions de vues comme certains YouTubeurs, et d'ailleurs, je fais même très peu de vues, mais c'est pas ce qui compte pour moi pour l'instant. Mon but, c'est de m'améliorer et de faire de mieux en mieux vidéo après vidéo. En plus, je viens de passer le cap des 1000 abonnés et pour moi, c'est déjà quelque chose de très bien. J'ai aussi reçu des messages de soutien et de remerciements par rapport à certaines vidéos que j'ai faites. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas d'avoir créé ma chaîne YouTube et je compte bien aller le plus loin possible et continuer à créer et partager. Et d'ailleurs, il y a peut-être certainement des gens à l'heure actuelle qui parlent mal dans mon dos ou qui me critiquent par rapport à mon activité sur YouTube ou même dans le monde du cas, ou même dans la vie de manière générale. Mais j'en ai rien à foutre, ça m'empêche pas de dormir. Et c'est ce que je te recommande de faire. Si tu as des projets, si tu as des ambitions ou des objectifs, des choses que tu as vraiment envie d'accomplir, fais-le et vire les gens qui veulent t'en empêcher. Mets les œillères là, tu sais, comme les chevaux, va tout droit et arrête de prêter attention à ce que les gens pensent de toi. Ça peut paraître un peu facile à dire comme ça, mais crois-moi que si tu parviens à changer ton état d'esprit et à ignorer ce que les gens pensent de toi, ça va vraiment te faciliter la vie et t'arriveras mieux à te concentrer sur les choses que tu as envie de réaliser. Il y a aussi une chose que je voulais te parler et qui rejoint le sujet d'aujourd'hui, et cette chose, c'est de se comparer aux autres. Au lieu de te comparer aux autres, inspire-toi des personnes qui te motivent et qui t'aident à
aller de l'avant. C'est comme ça que tu vas progresser. Et j'insiste bien sur le fait de ne pas se comparer, mais de s'inspirer. Parce que se comparer et s'inspirer, c'est deux choses différentes. Et tu peux t'inspirer de n'importe qui. Ça peut être des personnalités ou quelqu'un qui est dans ta discipline ou même des gens que tu connais personnellement. Ça peut être des amis ou des membres de ta famille. Fais juste attention aux réseaux sociaux et aux influenceurs parce que oui, certes, tu peux retrouver des bonnes choses et des bonnes valeurs sur les réseaux sociaux. Mais fais attention parce qu'il y a aussi beaucoup de mensonges et de choses qui ne sont pas fidèles à la réalité. Parce que faut que tu gardes en tête que tu pourras jamais devenir comme la personne que tu admires. Tout le monde a un parcours et des objectifs différents. Mais par contre, le but derrière tout ça, c'est de devenir une meilleure version de toi-même. Les choses qui pourraient t'inspirer, par exemple, c'est aux idéologies et aux valeurs auxquelles tu t'identifies par rapport à la personne qui t'inspire. Et ces valeurs et idéologies, c'est des choses que tu vas pouvoir mettre en place quotidiennement et qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Mais je voulais aussi te parler de l'aspect physique. Étant donné que je parle de catch et de muscu, je me sens aussi un petit peu obligé de te parler de l'aspect physique. Mais pas seulement pour ça, mais aussi parce que on est en 2023 et aujourd'hui, beaucoup de monde aime se comparer à d'autres physiquement. Plus les années passent et de plus en plus de gens prêtent attention à leur physique. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais l'erreur à faire, c'est de se comparer à quelqu'un d'autre. Parce que faut que tu gardes en tête que cette personne-là n'a pas la même génétique, n'a pas le même rythme de vie, n'a pas les mêmes objectifs, et peut-être aussi que cette personne-là utilise des produits dopants pour obtenir le physique qu'il a. C'est pour ça que tu dois être conscient de bien prendre en compte tous ces paramètres-là quand tu suis quelqu'un sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Voilà en ce qui concerne mon avis et mon point de vue sur le sujet. Il y a certainement d'autres choses dont je n'ai pas parlé et qu'on aurait pu aborder. Mais c'est à ça que l'espace commentaire sert, donc si jamais tu as envie de rajouter quelque chose, n'hésite pas à t'exprimer juste en dessous. Et j'espère que la vidéo que je t'ai partagée aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !